Tout pour investir. Dose d'économie. Allez, vous êtes prêts? C'est le moment de recevoir votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nouveau temps fort. Alors autour de la dette en France, on va encore se ronger les ongles jusqu'à minuit. Ouais, c'est tard. L'agence de notation Moody's se prononce sur la note souveraine du pays et évidemment le risque d'être dégradé. Et quand même... Alors, on dit quoi? Sensible envisageable on dit quoi? Eh ben, je pense qu'on aurait dû être dégradé par Fitch il y a 15 jours et on devrait être dégradé par Moody's. Mais on ne le sera sans doute pas. Alors, peut-être qu'on peut réviser la perspective, mais c'est beau, l'impact est beaucoup, beaucoup moins fort. Alors, dégradation rappelle, de note. Réviser la perspective, ça veut dire donner une indication sur le biais qu'on prend pour une notation... quelques mois. Moody's nous avait laissé la même note en passant à la perspective de neutre à négative. Voilà. D'ailleurs, le prochain parce coup, que tout simplement le budget est en cours d'examen, on est dans le schwarz si vous voulez, on ne sait pas ce que 2025 sera. Aller dégrader la note de la France en plein examen du budget, mais ça revient tous les 6 mois ces notes d'agence, donc c'est reculé pour mieux sauter. Je rappelle que ces notes d'agence de notation sont délivrées aux États sans que les États les rémunèrent. Contrairement à ce travail lorsqu'elles le font pour des entreprises, plus la note est élevée, plus on inspire confiance et plus on a un beau profil solvable, et plus la note est basse et plus on inspire de la défiance avec un risque de solvabilité. Techniquement, il n'y a aucun problème de solvabilité pour la France. Aucun. Le pays n'est absolument pas en faillite. Nous remboursons nos dettes d'État à date, à échéance prévue sans aucun problème. La note de la dette souveraine d'ailleurs de la France est plutôt de très bonne qualité. Moody's nous note double à 2, ce qui correspond à 18 sur 20. Le spread avec l'Allemagne, il est toujours de 75 bases. C'est un peu beaucoup, mais en tout cas, ça ne s'est pas dégradé. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun sujet technique. Et en plus, la dette, elle trouve preneur. Les marchés, les adjudications se passent bien. Vous savez bien, que les grands institutionnels ont des obligations prudentielles de détenir une certaine quantité de dette publique, de dette souveraine, considérée comme des actifs sans risque, évidemment, sur la planète. Quand on vient acheter de la dette française, on vient acheter de l'euro. Voilà. On pourrait acheter de la dette allemande si l'Allemagne en émettait, mais elle n'en émet pas. Non, le truc, c'est la trajectoire. On va, là, en 2025, signer notre 51e budget dans le rouge. Et le spectacle que donne l'Assemblée nationale en ce moment ne va pas améliorer les choses. Le sujet, c'est l'image de la France. Ce n'est pas le taux auquel on emprunte. On emprunte à 2,98, je crois, sur 10 ans aujourd'hui. C'est un taux à 3. Voilà, c'est un 3, c'est un taux parfaitement supportable. Ce n'est pas ça, le sujet. C'est l'image que l'on envoie. Ça fait maintenant plus de 15 jours que la France a une prime de risque supérieure à l'Espagne, au Portugal et certains jours supérieurs à la Grèce. Trois pays pourtant moins bien notés par les agences que nous. L'an prochain, on va payer des intérêts. On va lâcher 55 milliards d'euros de paiements d'intérêts. C'est de l'argent que le pays n'aura pas. Ça n'ira pas dans l'école, ça n'ira pas dans la santé, ça n'ira nulle part que dans la poche des gens qui nous ont prêté de l'argent il y a 5 ans, 10 ans, en fonction des maturités de dette. C'est pratiquement le budget de l'éducation nationale. C'est plus de 3 fois le montant qu'on espérait économiser de la réforme des retraites, pour vous donner une idée des montants monumentaux. Il est là, le sujet. Il n'est pas sur un défaut technique qui nous pendrait au nez. Non, c'est qu'on a du mal à financer le reste à cause de ce financement de la dette, évidemment. Alors, avant le rendu de décision de l'agence Moody's, on a quand même pris un sacré coup sur la tête hier. Chez nous, avec l'INSEE. Et c'est le même sujet, en fait. Oui. C'est le même sujet. Le climat des affaires mensuel s'est dégradé de 7 points au mois d'octobre. On n'a jamais vu une telle dégradation depuis la crise financière de 2008, si on retire la période Covid, qui est complètement hors norme. Alors bon, vous allez trouver des explications aussi très rationnelles. Carnet de commandes un peu moins bon, l'activité qui ralentit, les stocks qui sont un peu plus importants, l'Allemagne qui est un gros débouché, qui est un peu en récession. Mais c'est le même sujet. C'est un révélateur de confiance. C'est un révélateur de confiance et là, le grand n'importe quoi qui anime l'Assemblée nationale, avec ses courses aux idées fiscales les plus baroques les unes que les autres, je pense que ça lamine la confiance des acteurs économiques. Et c'est pas la peine de voter des conneries, le simple fait d'en parler, ça suffit. La petite musique des âneries mises bout à bout plus conne le lendemain que la veille, ça suffit pour détruire la confiance que l'on a dans l'avenir. La confiance des individus, la confiance des ménages,
partage, la confiance des chefs d'entreprise, potentiellement la confiance des investisseurs. Et donc, il y a un moment, quand on finit par faire n'importe quoi, ça se voit. Et là, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça commence à se voir. Mais à se voir vraiment. Et donc, je pense qu'il faut que ça cesse très vite. Et à mon avis, s'il y avait vraiment un événement aujourd'hui, c'est pas Moody's à 22h, c'est qu'on apprenne qu'avant le déjeuner, on a dégainé le 49-3 pour arrêter le jeu de massacre. C'est du chamboule tout, mais voilà, c'est ça, à mon avis, le sujet. Il faut dégainer le 49-3 le plus vite possible, d'où le titre, vivement le 49-3 autour du budget. Non, et puis surtout, on l'a vu depuis toute la semaine, notamment dans l'immobilier, il y a des idées, des projets, des contre-mesures, enfin des amendements, c'est totalement fou. Mais le problème, c'est que tous ces trucs qui vont et viennent, qui sont souvent des âneries, les gens qui les observent considèrent que c'est presque comme si c'était fait. C'est ça. Même si à l'arrivée, vous savez que le 49-3 rayera toute l'aliénation mentale qui nous a occupés à l'Assemblée pendant des semaines pour revenir au projet de départ, qui déjà est suffisamment périlleux pour l'activité 2025. Et puis, on le dit, on le rajoute, c'est quand même la fin de semaine. Hein, mais si on a aussi des taux d'intérêt sur notre dette 10 ans qui sont plus ou moins ou plus que ceux du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne, c'est quoi? C'est que eux, ils sont passés par la faillite, la paille de fer. Ah bah oui, bien. Que ça a été une réforme monstrueuse, oui, bien sûr. Mais dont ils récoltent les fruits maintenant, parce qu'ils ont de la croissance et plus de croissance que nous. Et les Italiens empruntent encore au-dessus de nous, Italiens, mais inexorablement, là, le spread, pour le coup, il se réduit entre la France et l'Italie, alors qu'il s'est quand même sacrément accru, mine de rien, entre la France et l'Allemagne. On était normalement sur un spread à 35. Ouais. On est monté à 80 après la dissolution, on est revenu à 75. Bon. Bon. Donc 49-3 pour arrêter le jeu de massacre. Ce sera peut-être notre nouvelle note de dette. De toute façon, tout le monde sait que ça se finit comme ça. Ouais. C'est juste une énorme hypocrisie. Comme ça, tout le monde peut raconter n'importe quoi. Et c'est de toute façon que sa proposition ne passera pas, parce qu'à l'arrivée, ça va se terminer en 49-3. Eh bien, merci Nicolas. On vous retrouve la semaine prochaine, bien entendu, dès lundi, pour une nouvelle dose d'économie. Bon week-end.